Ça va de toi? Spending all of my dough, I'm spending all of my cash. All this money that I ever had, I put that shit on my tab. 12 o'clock and I'm fucked up. Oh damn, I'm smashed. I got fine woman. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'impression 3D. La dernière vidéo sur les handspinners vous a beaucoup plu et en live on a pu imprimer des handspinners grave originaux. J'ai nommé handspinner Snapchat, Facebook et Twitter. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vous présente 4 handspinners réseaux sociaux. Je vous avais déjà présenté il y a quelques jours le handspinner YouTube que vous avez trop kiffé. Alors pour partir encore plus loin et pour vous montrer que tout est possible avec l'impression 3D, aujourd'hui handspinner Facebook, handspinner Instagram, handspinner Snapchat et le mini handspinner Twitter. Je compte sur vous pour laisser un énorme like sur cette vidéo, objectif 5000 pouces bleus pour ces handspinners. Et puis dites-moi dans les commentaires quel handspinner vous aimeriez que je fasse. Donnez-moi des idées de handspinners farfelus. T'imagines quand même que depuis le début on a fait des handspinners super originaux. On a fait les handspinners Star Wars qui étaient super originaux, les handspinners YouTube, le handspinner PS4, Xbox One, PC, là les handspinners réseaux sociaux. Partagez-moi vos idées dans les commentaires et je pourrai prochainement faire d'autres handspinners grave originaux. Et qui dit handspinners originaux dit quoi? Bah concours. Alors c'est parti, vous avez un lien dans la description qui redirigera vers mon compte Twitter. Il suffit tout simplement de retweeter, me follow sur mon compte Twitter pinette du bas HD et tu laisses un commentaire sous le tweet en disant je participe pour le handspinner Facebook ou je participe pour le handspinner Snapchat, etc. Alors ma petite cacahuète, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant, le petit pouce bleu, le commentaire avec ton avis, tu vas sur Twitter, tout ça, tu gères les bails et tu peux tenter de gagner un handspinner réseaux sociaux. Alors on a tout d'abord le handspinner Facebook, assez simple, un petit carré rempli de bleu avec une toute petite épaisseur de quoi, 2-3 mm, du F qui ressort un petit peu, le F que j'ai peint à la peinture blanche tout simplement, le petit roulement au milieu et en plus il tourne quand même super bien. Tu vois ou pas? Il est stylé quand même. Je te le mets face caméra. Regarde ça un petit peu comme il est stylé. Après le F, je t'avoue qu'il manque peut-être quelques couches de peinture. Mais j'ai fait ça un petit peu à l'arrache. Au pinceau. Et regarde quand il tourne, l'effet est super stylé. Le F donne un effet super sympa. Et dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de ce handspinner Facebook. Après le Facebook, le Twitter. Alors tu le vois, celui-ci il est tout petit, il est minuscule. Petit handspinner Twitter, mais grave mignon. Pareil que celui de Facebook, on a une petite épaisseur de 2-3 mm avec le petit oiseau qui ressort un peu. Celui-ci il a été fait directement avec l'impression 3D. Donc j'ai enlevé le filament pour remettre le blanc par-dessus pour finir la partie blanche de l'oiseau. Celui-ci il est pas très bien équilibré. Tu le vois, il bouge énormément et il tourne pas vite du tout. Mais c'est parce que le roulement n'est pas vraiment bien au centre. Donc du coup ce qui fait que le handspinner il est vraiment pas bien équilibré. Mais en tout cas il est vachement mignon. Bon et bien on continue sur notre lancée. Après le handspinner Facebook, le handspinner Twitter, et bah oui le handspinner Snapchat. Donc celui-ci pareil que les autres, super bien fait parce qu'il y a carrément tous les petits trous de Snapchat. On a quelques millimètres d'épaisseur en plus pour le logo. Je l'ai peint également en blanc. Mais là tu vois que j'ai peint ça à l'arrache avec de la peinture à gouache. Et c'est pas la meilleure peinture qu'il faut pour ce genre de pièce. Donc tu vois qu'il y a des trous en fait, il y a des endroits il n'y a pas de blanc. Mais bon, et puis avec le roulement central comme d'habitude, et celui-ci il est quand même bien équilibré comme le Facebook, et c'est plutôt pas mal. Alors après c'est vrai que ce genre de handspinner ils sont super sympas, ils sont super jolis, originaux. Mais étant donné qu'il n'y a pas de poids sur les côtés, il n'y a qu'un seul roulement central, ça nous fait un handspinner qui est grave léger finalement. Et donc il va pas tourner bien longtemps, ni bien vite. Il est déjà là, l'effet est là, c'est sympa. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis il nous en reste un seul. Facebook, Twitter, Snapchat, qu'est-ce qui manquerait d'essentiel? Instagram. Alors tu le vois, ce petit handspinner Instagram creux. Il est creux partout, il est creux. Je l'ai imprimé en marron puisque c'est ce qui se rapprochait le plus du logo Instagram. Et regarde, le rendu est sympa en plus. Et en fait l'effet c'est marrant parce que t'as l'impression que le rond du milieu ne bouge pas, mais t'as l'impression que tout ça, ça bouge. Tu vois, on a l'impression que ça fait un rond qui se décale au fur et à mesure. Tu vois, on dirait que le rond central, il est en train de faire du cerceau avec le reste du handspinner. C'est quand même assez drôle. Et ben voilà, j'en arrive à la fin de cette vidéo de handspinner avec mes 4 handspinners, Twitter, Snapchat, Facebook et Instagram. N'oubliez pas que ces 4 handspinners sont à gagner. Je me répète mais c'est simple, il suffit de laisser un like sur cette vidéo, être abonné à la chaîne, important. Allez voir dans la description de cette vidéo, je vous ai mis un petit lien Twitter. Vous retweetez, vous me follow sur Twitter et puis vous marquez dans les commentaires je participe pour le handspinner Facebook ou je participe pour le handspinner Snapchat. Celui que vous voulez, celui qui vous fait plaisir, vous les voyez une dernière fois ici. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu parce que j'essaye à chaque fois dans les vidéos handspinner d'être original. J'essaie de me démarquer, j'essaye de faire des handspinners qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs. Parce que sur YouTube en ce moment vous avez vu, c'est même pas YouTube, c'est YouSpinner. Il n'y a que des vidéos handspinner partout. Et donc au lieu de proposer des vidéos que vous allez voir partout ailleurs des dizaines et des dizaines de fois, moi je pars du principe que justement avec l'imprimante on peut faire des trucs originaux et hors du commun. Et donc c'est pour ça que je pars sur des handspinners super originaux. Et le mec il passe à tondeuse là, il est sérieux ou quoi? Vous l'entendez ou pas le mec qui passe à tondeuse là? Attends. Tu l'entends là? Ouais ouais c'est ça.
Ah, ils sont deux en plus. Ils sont deux. Bon, MC Cacahuète, oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore déjà fait. Oublie pas le petit like également. Oublie pas de me donner tes idées de hand spinner dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Pinot, prenez soin de vous. A bientôt. Ciao. Allez, moi, c'est mon hand spinner Snapchat. Qu'est-ce qu'il y a?